Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce temps de prière en ce mercredi 21 septembre. Nous allons le recueillir. Nous allons ici, c'est la présence de Dieu nous envahir aujourd'hui, en ce soir où nous sommes réunis. Parce que la parole nous dit qu'en deux ou trois sur rassemble en son nom, le Seigneur, il est là, il est présent au milieu de nous. Le psaume 139, les versets 11 et 12, nous dit « J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. » Nous maintenant confesser nos péchés. Nous allons demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises dans notre vie. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre nos prochains. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons envie de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous, pardonne-nous, alors ta volonté sera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait aimer son tout bien, par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu, qui donne vie tout l'univers, te rend de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier maintenant, avant d'écouter les lectures. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur.
Ouvre nos oreilles, nos yeux spirituels, afin que vraiment nous recevons ta parole, qui est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Reste avec nous, Père, et pourvois inlassablement à tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles et les siècles. Amen. Nous comptons maintenant les lectures. Le psaume 19. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il sort à une extrémité du ciel. Son tour le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Il aide les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées, plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne les fautes qui m'ont échappé. Réserve-moi encore des insolents. Fais qu'il n'ait aucune prise sur moi. Alors je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit est médité devant toi. J'espère que cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Le psaume 112. Alléluia, vive le Seigneur. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance. Il a pour toujours l'approbation de Dieu. Que tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Quand tout est obscur, le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêter avec bienveillance, voilà qui est bien. Gérer ses affaires en respectant le droit. Jamais le fidèle ne faiblira. Il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs. Le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Ferme sur ses positions, il attend sans peur de voir la défaite de ses adversaires. Il donne largement aux malheureux, il a pour toujours l'approbation de Dieu. Sa force augmente avec sa gloire. Le méchant s'en aperçoit et enrage. Il graisse des dents et perd ses moyens. Les méchants, ou non, en ont l'appétit coupé. Parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Job, chapitre 28, versets 12 à 28. Mais la sagesse, où peut-on bien la trouver? Où donc est la demeure de l'intelligence? Les humains ignorent à quel prix l'estimer, car elle est introuvable au pays des vivants. Le grand océan dit, elle n'est pas ici, et la mer à son tour, elle n'est pas chez moi.
On ne peut l'échanger contre un lingot d'or fin. On ne peut l'acquérir contre un bon poids d'argent. Elle est incomparable face à l'or d'Ophir, à la précieuse cornaline ou au saphir. Ni le verre ni l'or n'atteignent sa valeur. On ne peut l'obtenir contre un vase d'or fin. Ne parlons même pas du corail, du cristal. La sagesse vaut mieux qu'à les pêcher des perles. La topaze éthiopienne est loin de la valoir. Face à l'or le plus pur, elle est incomparable. Mais la sagesse, d'où peut-elle provenir? Où donc est la demeure de l'intelligence? Elle reste cachée au regard des vivants, invisible à l'oiseau qui vole dans le ciel. La mort est le royaume de la mort, déclare. Oui, c'est vrai, nous avons entendu parler d'elle. Mais Dieu a remarqué par où elle venait. Lui seul a su le lieu où l'on peut la trouver. Quand son regard allait jusqu'au bout de la terre et qu'il inspectait tout ce qui est sous le ciel, quand il attribuait un certain poids au vent et quand il mesurait le volume des eaux, quand il marquait une limite pour la pluie et un chemin pour les roulements du tonnerre, c'est alors qu'il vit la sagesse et l'estima. Il en fit l'inventaire et prouva sa valeur. Puis il dit aux humains, « Respectez le Seigneur, c'est cela la sagesse, et s'écarter du mal, voilà l'intelligence. » Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ici prend fin la lecture. L'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 13, nous montre plusieurs paraboles que Jésus avait partagées avec la grande foule au bord de la mer. Les paraboles sont celles du semeur, du livré, du grain, de moutarde, du levain et du trésor caché, et aussi de la perle et du filet. Donc, dans le texte que nous venons d'écouter, il y a quatre paraboles. Donc, premièrement, nous allons essayer de comprendre celle du trésor caché dans le champ. Nous voyons que beaucoup de personnes considèrent l'Évangile, allons dire, avec une certaine légèreté, car ces personnes ne regardent seulement que la surface du champ, mais tous ceux qui sont les Écritures de façon
à y trouver le Christ et la vie éternelle, reçoivent ainsi cette vie éternelle en Jésus-Christ comme un joli trésor qui se trouve dans un champ. Ce trésor est tellement précieux et en plus c'est d'une valeur vraiment inestimable. Et bien sûr, ces personnes qui ont découvert ce trésor en feront leur propre bien, dans tous les sens du terme. Bien qu'aucun prix ne puisse être donné à notre salut, cependant, beaucoup de choses doivent être abandonnées par égard à notre Seigneur. Alors, nous avons aujourd'hui à vraiment prendre en considération ce trésor que Dieu nous donne en Jésus-Christ, ce trésor d'une valeur inestimable. Alors, deuxième parabole, voyons que, cette parabole qui nous raconte, que Jésus nous raconte, que tous les êtres humains, nous avons aujourd'hui de besoins et des désirs. Par exemple, quelqu'un veut être riche, un autre veut être honorable, un autre désire être instruit, éduqué. Mais nombreux sont ceux qui se sont trompés et prennent des choses de ce monde, malheureusement, pour des perles. Pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est vraiment une grande perle, de grand prix. Et en l'ayant en nous, nous possédons suffisamment de richesses pour être heureux ici, dans ce bas monde, et pour toujours. Un homme peut acheter de l'or, ce qu'il peut acheter, mais trop cher. Mais pas cette perle de grand prix. C'est une perle vraiment d'un grand prix, mais en même temps, qui nous est donnée gratuitement. Donc, quand le pécheur convaincu voit Jésus-Christ comme le sauveur de grâce et de bénédiction, toute autre chose devient sans valeur dans ses pensées. Parce que le Christ est suffisant. Sa grâce et son amour sont vraiment, vraiment suffisants pour nous. Parce que, dans la parole nous dit, ce trésor est en nous, si Dieu est en nous, qui peut nous faire du mal? Qui peut nous attaquer? Parce que nous savons que nous possédons ce trésor qui est là, trésor qui est comme une perle maintenant, qui est au plus profond de nous. Et troisièmement, parabole qui nous raconte que comme si le monde, c'est comme si une mer, c'est une vaste mer, où les hommes, dans leur état naturel, sont comme des poissons. Et la prédication de l'Évangile, c'est comme s'il lançait un filet dans cette mer pour en faire sortir quelques poissons, bien sûr, pour la gloire de celui qui est le créateur de cette mer. Et la parole aussi montre qu'à la fin, les hypocrites et les véritables chrétiens seront séparés. Et la condition de ceux qui seront rejetés et misérables. Alors, quatrièmement, nous voyons l'histoire d'un ministre fidèle et habile, consciencieux de l'Évangile et quelque chose d'important. Parce que l'Évangile est pour nous un moyen d'instruire et d'enseigner.
enseigner ce que le Christ lui-même nous a enseigné. Et le Christ est en train de comparer aussi un bon maître de maison qui veille aussi à la croissance de fruits, hein, par rapport à ce qu'il a eu l'année dernière. Il est en train de rassembler aussi ceux de cette année. Alors, bien sûr, que Jésus parle aussi de ses anciennes expériences et des nouvelles observations qui sont aussi importantes pour nous. Alors, aujourd'hui, notre place est certainement au pied de Jésus-Christ et nous devons continuer à apprendre encore chaque jour les anciennes leçons et également les nouvelles. Alors, chers amis, ce soir, est-ce que vraiment, en Londres, nous avons découvert ce trésor, cette perle rare? Est-ce que vraiment nous possédons cette perle en nous? Et est-ce que vraiment nous sommes riches en Jésus-Christ? Parce que cette parole que Jésus nous donne est toujours une parole remplie de richesse, remplie de puissance. Alors ce soir, pour terminer, ouvrons ensemble nos yeux et nos oreilles de notre cœur aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous apporte le salut aussi bien que par sa grâce et son amour, ce salut nous est donné. Que le Seigneur donc nous bénisse, que le Seigneur bénisse ses paroles. Amen. Amène la paix.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble disons, symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux. Il est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse.
Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, puis que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime, notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt.
et